Salut à tous, c'est Uzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mission Un Nouveau Départ. C'est parti, les amis. Et on apprécie la petite cinématique juste avant. Getting a clearer picture? You had an agent on the inside, and 47 killed him? We've got it on videotape. The incident put us back on 47's tail, which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend. We killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24/7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To your proof. Ouh, ça commence à sentir le roussi en fait. 47, on sait pas ce qui lui est vraiment arrivé en fait. Nouvelle mission, les amis. Nous vous envoyons à l'autre bout de l'état, 47. La cible est un gangster du nom de Vinny Sinistra. Il bénéficie d'un programme de protection fédérale avant son témoignage dans un procès qui se tiendra plus tard ce mois-ci. Notre client veut être sûr que Sinistra n'apparaîtra jamais à la barre. Il possède certaines preuves qui ne doivent absolument pas être exposées au grand jour. Notre client pense qu'elle se trouve sur un microfilm. Vous devez le récupérer. Sinistra est un homme instable qui s'habitue mal à la vie en banlieue. C'est l'anniversaire du plus jeune de ses enfants dimanche. Et la fête organisée pourrait être une excellente occasion de vous infiltrer. La maison est surveillée et protégée par les fédéraux. La plus grande discrétion est donc de rigueur. 47. Vous l'avez compris, éliminer Vinny Sinistra, récupère le microfilm qui est dissimulé dans un bijou. En fait, le bijou, c'est celui de sa femme, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut donc améliorer ici? Un bon coup de fouet, un gilet pare-balles qui absorbe un peu plus. Moi, je dirais plus le gilet pare-balles, mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. J'ai pas eu le cas d'être un putain de tueur professionnel. Alors, cette mission me rappelle tellement de belles choses. Tellement chiante aussi. Alors. Là, tout simplement. On va récupérer. Là, les beignets. De ces messieurs, voilà. On va se mettre derrière ici, voilà. Et tout simplement, on va mettre du poison dedans. Je vais me cacher quelque part, tiens. On va se cacher par là, voilà. Et on va mettre le poison, mais là, comme il y a l'autre qui se promène, c'est un peu plus difficile. Ouais, alors là ils m'ont repéré, je sais pas comment. En tout cas, votre progression, ouais. Bon, on va refaire la mission, voilà. Tout simplement. Et on va la faire comme ça, tranquillement. On va attendre que le cardio du corps se casse. On va prendre notre seringue. De poison, bien sûr. On va l'injecter. On va le cacher. On va prendre les beignets. Voilà. On va les déposer juste ici. On va ouvrir la porte. Voilà. Ni vu ni connu. Y a pas de soucis, mec. Faut juste que tu prennes les beignets. Putain, ouvre la porte là. Hey, t'as rien à faire
Il a pas de... Putain, il veut pas, hein. Ils veulent pas. Ils veulent pas prendre les beignets. On va les mettre un peu un endroit différent. Là, il prend sa petite clope, le mec. Bon. On va attendre. Normalement, j'ai encore du poison, du sédatif. Ouais. Moi, ce que je vous dis... Bon, on va les empoisonner, tant pis. Ça fera des cibles en plus. Excuse-moi. Je me casse. Ouais, je me casse. Alors, on va prendre les beignets là, ça me casse les couilles. Ok, pas de soucis, mec. Non, ils veulent pas prendre les beignets, dommage. C'est dommage, ça. Ah bah voilà. Putain, il bug. Ah bah voilà, tu changes de voix en plus, le mec est bien grognon. Voilà. Et on prend les beignets, normalement ils vont crever. Bon beignet empoisonné là. Voilà, ils vont les bouffer. Ok, ça c'est cool. Allez, c'est parfait. On va prendre un petit costume, voilà. Alors, ça c'est cool. Voler la bande. Alors, hop, voler la bande, ça c'est cool. Quoi d'autre? Ok. Allez, ouvre la porte. Hop. Oh bon, là, je passe tranquille. C'est parfait. Bon, j'ai pas les lunettes de soleil, c'est dommage. Je serais encore mieux passé, tu vois. Bon. Ok, je passe nickel. Foutu pays a perdu les pédales. Ok. Le nouveau vice-président a prêté serment à l'occasion du CGI. Alors. Il y a sa femme qui est là, normalement, c'est ça. Ah, ce clown, je le déteste. C'est le genre de clown que je déteste, là, avec sa tête de pitre. Ça, c'est cool. Comme ça, pas de témoin. Oh, et c'est que c'est sa femme. Bon, elle est un peu... Hop, seringue. Sédatif. Voilà. On va traîner le corps ici.
On va la foutre, sa petite femme ici. Elle mérite pas de mourir. C'est pas sa faute, hein. Si son copain, c'est un connard. Hop, on pose le corps ici. On prend le microfilm. C'est parfait. Là, on prend ça. Ok, nickel. Donc les amis, c'est déjà fait. J'ai de la chance. Donc là, il est monté à l'étage, normalement. Je peux avoir la possibilité de m'en occuper du dernier. Voilà. On va monter à l'étage. Normalement, notre cible est à l'étage. Et on va pouvoir se le faire tranquillement. Mon flingue, où il est passé ? Oh putain. Chaud, 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 mec. Excusez-moi les mecs. Délocaliser la sécurité pour une élection présidentielle. C'est ce qu'on dit. Ce foutu pays. Oh, la chambre de ouf quoi. Belle chambre dis donc. Belle chambre, ouais. Ouais, j'avais pas vu ça. Ok. Ok. C'est chaud là. C'est pas mal, tu donc. Alors. On fouille un peu tout. Sédatif. Voilà. On va traîner le corps dans la l'autre passe. Non, on peut pas la fermer. Ok. Je traîne le corps. Ok. Ok. Bon. On va attendre qu'il remonte. Un putain de flingue quand même, hein. On le prendra, il pourra être utile. Il pourrait être fortement utile. Ok. Bon, on a plus qu'à patienter. Normalement, l'autre il dort comme un bébé. La sécurité pour une élection présidentielle. Ok, il n'y a pas de bébé déjà, c'est déjà cool. Là, il y a la zone de sécurité. Si, ben là, donc on va attendre un peu.
Sachant que j'ai pas beaucoup de temps avec les sédatifs, je sais pas combien de temps il va durer, mais il va pas durer très longtemps. Il va regarder la télé pendant encore un bon moment. Et il va remonter. Il n'y a plus que cette cible à avoir. Normalement, on peut l'avoir facilement, mais sauf que je prends trop mon temps là. Et c'est vrai que le président de la République, le président américain est mort dans le jeu, bien sûr. Du coup, il a été remplacé. Bon, ce sera une mission plus tard dans Hitman. C'est pas un spoil, hein, mais c'est une mission qui sera présente dans. Dans le prochain Hitman. Alors, hop, il va venir en haut. Délocaliser la sécurité pour une élection présidentielle. C'est ce qu'on dit. Le foutu pays a perdu les pédales. Mais lui, il aime bien son gun, hein. Putain, il aime bien le sortir. Le nouveau vice-président a prêté serment à l'occasion d'une cérémonie organisée à la Maison Blanche ce matin dans le route. Voilà. Ça c'est fait. Et nous on se casse. Voilà, mission accomplie les gars. On peut se casser. Le nouveau vice-président a prêté serment à l'occasion d'une cérémonie. Il trouve ça bizarre que je suis là. Du coup, on va commencer à se casser. Avant de se faire buter. Ah, ce clown, j'ai envie de lui tirer une balle dans la tête, je sais pas pourquoi. Il est tellement moche. Ok, on va bientôt se casser. Ne nous faisons pas remarquer. Ok. Tellement que je me fais remarquer, mon truc il a bugué. Alors, mon costume les gars, merci. Allez hop, on se casse, mission accomplie. Et sans fausse note. Hop, on va voir qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans les journaux pour nous. Alors, témoin, il y en a qu'un. Ok, couverture perdue, une. Ok. Spécialiste, ça c'est cool. Et voilà, voilà. Commande endommagée. Ah. Ok, bon, on va corrompre les civils. Normalement c'est bon. Alors, spécialiste, avis de recherche. Vinny Slager, Sinistra retrouvé mort. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gage. D'accord. Ok, ah ouais. Ça va, ça va, ça va. Une petite sauvegarde comme d'habitude, hein. Et on se retrouve au prochain épisode. Bisous.